Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Instrument Poche. Donc Instrument Poche, vous pouvez la retrouver sur Internet. Donc vous tapez Instrument Poche dans un moteur de recherche et vous allez arriver sur cette page. Donc vous pouvez soit l'utiliser en ligne, soit l'installer sur votre ordinateur. Pour le tester, vous pouvez commencer par l'utiliser en ligne. Donc vous arrivez sur cette page où vous allez avoir ici les outils que vous allez pouvoir utiliser. Donc, ce sont des instruments de géométrie virtuelle, donc vous avez un crayon, un compas, une règle, une équerre, etc. Vous pouvez placer des points. Nous allons voir rapidement un petit peu ces différents instruments et dans d'autres vidéos, je vous présenterai plus en détail le fonctionnement des divers outils. Donc, commençons par placer un point. Donc, nous pouvons placer un point ici. Pour le nommer, on peut faire un clic droit et le nommer. Ici, nous allons l'appeler A. Ensuite, nous allons passer un deuxième point que nous allons appeler B. Donc ensuite, vous pouvez prendre l'outil crayon. Donc l'outil crayon, c'est ce qui va nous permettre de tracer. Donc si vous faites un clic droit sur le crayon, vous allez pouvoir le lâcher. Si vous cliquez dessus, une fois, vous le prenez. Et si vous double-cliquez, vous pouvez le lâcher aussi comme ceci. Avec un clic droit, vous allez pouvoir avoir différents modes, soit tracé libre, soit polygone, soit droite, soit demi-droite. Par défaut, il est en mode segment. Donc on pourrait en fait pointer sur le point A et essayer de tracer le segment AB. Mais on va voir qu'en fait, ce logiciel nous permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Donc on peut annuler ici les dernières actions grâce aux flèches retour que vous retrouverez ici. Et en fait, si vous cliquez sur un point, il va vous proposer de. Alors, vous pouvez déplacer le nom du point, le renommer, mais surtout crayon translation. Donc, il va vous amener le crayon exactement à l'endroit où est situé le point. Et si on fait la même chose sur le point A, eh bien, on va pouvoir crayon tracer. Il va tracer le segment AB exactement et de manière très précise. Donc, on va retrouver ces différentes fonctions avec les différents outils. Donc, vous pouvez prendre ici le compas. Donc, le compas. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez aussi l'écarter, vous pouvez en le prenant ici le faire tourner, et si vous double-cliquez, vous pouvez tracer. Si vous voulez l'amener sur un point, vous faites un clic droit sur le point et compas translation. Je peux amener ensuite la mine sur le point B en faisant clic droit, compas, mine de compas, et là je pourrais faire un cercle de rayon AB très exactement. Voilà, donc vous aurez ce genre de choses aussi avec la règle. Vous retrouverez une équerre qu'on peut déplacer, qu'on peut faire tourner. Vous retrouverez un rapporteur, une règle avec une équerre pour tracer des droites parallèles. Ici, vous pourrez insérer du texte. Ici, c'est les codages des différents angles. Ici, vous pourrez retrouver des axes gradués, des repères et des quadrillages. Donc, si vous cliquez sur repère, par exemple, vous pouvez choisir les paramètres de votre repère et faire apparaître un repère. Je vais annuler ici. Ici, c'est la palette qui vous permet de choisir votre épaisseur de trait et les différentes couleurs pour vos différents objets que vous voulez tracer. Ici, vous pouvez insérer une image. Ici, vous annulez tout et vous faites une page blanche. Donc, les fonction pour annuler et pour avancer vos actions. Et ici, vous retrouvez le XML. Donc le XML, c'est en fait le langage qui est utilisé pour coder toutes vos actions. Donc on verra dans une vidéo un peu plus avancée comment on peut s'en servir pour améliorer le rendu de son travail. Donc je vous présenterai ensuite différentes choses. Vous pouvez enregistrer votre travail. Donc ça va enregistrer soit un fichier XML seul, soit carrément une page HTML. Et cette page HTML vous permettra de retrouver le lecteur qu'on le retrouve ici. Et donc ici, si on clique sur lecture, on va retrouver toutes les actions qu'on a faites. Et donc ça permet de donner une animation de la figure que l'on aura tracée. Donc voilà pour une présentation globale de Instrument Poche. Je vous invite à retrouver les autres vidéos pour voir un peu plus en détail l'utilisation de cette application qui a vraiment beaucoup de possibilités.